Jour J-1, demain, c'est 7 juillet 2023 qui va marquer deuxième année anniversaire commémorative assassinat président Jovenel Moïse. Nan vwa André Michel, Ndabdou, journée 7 juillet, la mauvaise en pile, journée à mauvais. Des gros mobilisations qui lancées, que t'es dans Port-au-Prince, que t'es dans Cap-Haïtien. Côté deuxième année célébration, li pral fête avec famille présidentielle. Jovenel Moïse, yon nan petit Jovenel yo, li même li te déjà annoncé que genye préparatif, genye activité privée li pral fête. Est-ce que activité privée ça la fête Cap-Haïtien ou bien la fête on l'autre côté, nous pour reconnaître. Mais ce qui est sûr, c'est que moi-même, moi là avec toute équipe là, n'importe côté événement, pour nous chercher là, pour nous porter le baou. Qui est-ce qui est mieux placé pour connaître le président Jovenel Moïse? Madame Ni, Petit Li, évidemment, ses proches collaborateurs quand il a été président de la République. Parmi proches collaborateurs, il y a Guichard Doré, ancien Premier ministre Joute, ancien Premier ministre Claude Joseph. En pile, nan yo, juge d'instruction qui a traité dossier assassinat président Jovenel Moïse. Walter Wessé-Voltaire, li te estime, fòk li tande yo, fòk li pale avec yo, pou yo bali kek ti detay sou divers aktivite ke prezident Jovenel Moïse tap mene, sou divers kombat ke prezident tap mene, sou menas tou li tap subi, tout sa yo la dan. Se yon de rezon, pa de instruksyon dosye la, ebyen gen pil nan kolaborateur prezident Jovenel Moïse yo, ki te pase devan juj d'instruksyon, pour juge instruction auditionner yo poser yo question parler avec yo si pour ancien premier ministre Joseph Joute et audition que juge instruction Walter Wessé-Voltaire te fait avec lui son audition qui t'est corsé son audition qui t'est dure son audition qui ton petit genre vraiment red pour lui et bien l'autre monde qui t'est passé yo proche collaborateur et opposant politique, t'as coup Don Kato et Pierre Espérance. Assassinat de Jovenel Moïse, on est RNDDH. Nous intervenons sur ce dossier. Nous faisons des rapports. Il y a un rapport en août, le 20 août 2021. Après, nous analysons le rapport de CPJA, deuxième dans le 6 janvier 2022. C'était pour nous montrer, après nous avons lu le rapport de CPJ, nous parlons avec des enquêteurs. Nous parlons avec juge qui te fait un rapport préliminaire pour nous analyser. Et c'est ça que nous sommes là. Et c'est un gros jour pour nous. Nous attendons ça. Parce que nous voulons que nous fassions trois assassinats. Nous-mêmes, comme organisation de droit, cap bataille contre l'impunité, cap bataille pour la société à situation d'état de droit, cap bataille contre la gangsterisation du pays. Eh bien, c'est un gros jour pour nous, pour nous dire qui ça nous comprend, qui ça nous lit. Et dans quatre dossiers, ça, et nous espérons que. Et contribution nous yo, ça nous dit capable et aider Jija à inviter ma quitte. Ou pas commander la quitte pour t'inviter, mais qui vous a vous a pas de monde qui compte. Est-ce que tu fais partie des monde qui dit que sont des présidents de n'importe quoi? Non, et non, moi là à titre de témoin. Vous m'avez dit, ça m'a connaît, et tout ça nous dit, yo un rapport, dans deux rapports que nous avons fait, yon, j'aimerais dire, 20 août 2021, et puis l'autre là, et nous avons fait le 6 janvier 2022, c'est ça. Donc c'est pas moi. À un moment donné, tu as montré préoccupation par rapport avec Jean juge Gary Aurélien. Non, nous c'est un monde qui contribue à un gangster comme Juge Aurélien que nous mettons dehors sur le dossier. Juge Aurélien n'a pas fait inscription, il a volé, il a déchappé les gens. Nous avons contribué avec ça. Nous avons besoin que l'enquête la mène avec sérénité. Mais il y a un élément clé dans l'enquête là, qui c'est Martin Moïse qui a fait obstruction avec la justice. Il n'est pas normal pour Martin Moïse, c'est dans le cas là. Il connaît ce qui passe président 2 semaines, 1 semaine avant l'assassinat, et il va le présenter devant le juge. Même Jato, nous ne pas arriver à comprendre 3 personnes qui sont dans la chaîne de sécurité président, n'ont pas l'idée de dire ancien DGPNH, Léon Charles, avec Sibyl Laguel et Dimitri Ra, Dimitri Ra avec Sibyl Laguel dans la prison, et puis Léon Charles dans la diplomatie et dans Washington. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça, c'est impunité. Nous voulons limiter fait sur l'assassinat. Deux ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bon, ouais, m'a dit là, pas connait non. Instruction secrète et m'pas connait, juge là il connaît. Il connaît ça chercher. Mais moi content les fait que là. Deux après comment moi c'est moi invitation hier. Hier m'a dit 4 juillet. Tout à fait c'est ça moi là je dis. Deux après. M'peuple est venu. Comment c'est ça dans capitaux c'est ça deux après. Moi penser va yo timide. Nous pas connait qui est-ce qui paye pour crime ça. Fok banque en Haïti ont contribué, même j'en trouve la justice américaine doit contribuer avec la justice haïtienne pour dossier ça capable avancer. Mais pour nous là, comment est la paix qui est faite entre Genève avec Genève? Non, la paix c'est Matel Idel, c'est pas la paix. La paix a fait avec gang. Moi contre pas tirer les armes encore, mais la paix a fait coup bandi au déposer les armes. Nous toujours tendez ça et puis c'est l'autre bagaille. Matel Idel sanctionne ça quoi, attendez, soi-disant la paix Matel Idel. La paix a fait les bandits au déposer la zam. Ou pas gagner zam, non moi parler de la paix. Mais pas c'est son mauvais bagaille. Les uns pas tirer sur l'autre, ou pas dans quartier défavorisé attaquer monde, mais toute attaque qui fait dans quartier défavorisé depuis 2018 à nos jours. Eh bien, la police a toujours une équipe en matérie, la police a une autre institution. Et, à massacre dans le quartier défavorisé, qui bat nous tout crime ça, c'est Petro-Caribé. Après, la population a découvert en 2018, et le régime PHTK a dilapidé la fond Petro-Caribé, il a eu des armes avec munitions dans le quartier défavorisé qui vont massacrer ça. Mais tout le monde a fait ça, sans impunité. Et Pierre Espérance qui constitue une potomitan dans ça qui vient pour avec organisation défense droit mon en Haïti qui pendant tout mandat président Jovenel Moïse était un petit genre hostile, était très hostile même avec administration Jovenel là. Et bien c'est autant de monde que juge instruction Walter Wessé Voltaire tendez dans quatre dossiers Jovenel là. On connaît gain monde qui senti un petit genre paniqué, yo fâché, yo frustré parce que semaine là son semaine qui censée est réservée avec le président Jovenel Moïse, combat Jovenel Moïse et bataille li tap mené, menace li tap subi, provocation li tap subi etc. par rapport avec 4 6 mois passé dans tes pays. Et nous connaît comment opposition politique radicale chez manger chianté en face, nous connaît comment nèg André Michel Lenel Cassio té en face. Nous connaissons juste qui bonheur yo te prêt pour yo aller pour yo monter yon groupe gang qui est les Phantom 609, un groupe terroriste qui est les Phantom 609 qui t'a terrorisé population juste dans l'idée pour te chavirer pouvoir Jovenel Moïse, dans l'idée pour te saccager pouvoir Jovenel Moïse, pour te forcer le quitter pouvoir. Après assassinat président Jovenel Moïse, nous pral connaître que Phantom 609 là c'est vite l'homme innocent, chef de gang notoire, bandit notoire, qui était derrière, et go ensemble de politiciens. Go ensemble de nèg nan opposition politique là. André Michel et allié, Nenel Cassie et consort. Et tout le monde sa yo te fait partie, tout le monde sa yo te chita sous table là. Ancien premier ministre Ariel Henry, tout le monde sa yo te chita sous table là. Les négociations ta fait pour mettre campé Phantom 609. Journée jodi an, nous une journée, nous quelques heures même de 7 juillet. 7 juillet 2021, côté mercenaire colombien, haïtien-américain, haïtien, t'as pas le mettre ensemble, dans l'idée pour finir avec Jovenel Moïse, dans l'idée pour prendre pouvoir. Qui pouvoir? Dans qui pays? Effectivement, 7 juillet, t'as pas l'assassiné Jovenel Moïse et rive installer une transition politique dans le pays. Rive installer une transition. Côté négat femme, absous c'est mamel, côté négat femme a fait l'argent, plein poche yo en toute instabilité, en toute impunité. Ça ka vole, vole, ça ka fait corruption, a fait corruption, ça ka fait détournement de fonds publics, a fait détournement de fonds publics, ça pense qu'est-ce l'État et bien maman yo ak papa yo a fourré mes prend. Haïti nan moment là, nan sa ki gen pouwe avec gestion, administration, nous tous d'accord, nous tous conscients que le pays n'a pas dirigé, n'a pas administré, son paquet de volets, chaque mimi doit être long, qui n'a tête l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation? Il faut que l'élection qui fait. Qui est-ce qui va faire l'élection pour mettre qui est dans tête pays? Il y a un pile contestation, il y a un pile doute sur la capacité de Ariel Henry. Il y a un pile contestation, il y a un pile doute sur ça Ariel Henry a réglé. Qui est-ce qui derrière Ariel Henry véritablement? 20 juillet 2021, pour l'histoire et pour la vérité, premier ministre Ariel Henry, il pral prête pays en suite avec un tweet que blanc américain yo t'a pral fait. Suite avec un tweet que ambassade américaine t'a pral fait pour yo porter soutien plein et entier yo ba Ariel Henry.
Côté que Claude Joseph était obligé de retirer Colli, aller, quitter Ariel, gérer Péril, quitter Ariel, prendre le pouvoir. Eh bien, 20 juillet, pral vini là, 20 juillet, pral rive là, pral faire Ariel Henry 2 ans, plein et entière, dans tête payant, pendant que le pape réglé rien. 2 ans plein et entière pendant que complot est fait pour assassiner Jovenel Moïse. Et moun sa yo qui nan complot, qui participe, nan mette complot à jour, nan exécute complot, yo te promet nous pral restabilité. L'argent pral descend, la vie en pral rose. Nous pral petit, nous pral l'école, nous pral jouen travail, nous pral jouen courant. Au Jovenel te fait nous promet, yo pat exécute yo café, yo pi café. Et maintenant, nous pas jeune rien même. Bandi nan de gwen nou, bandi ap touyen, bandi ap tou pizine. Qui est-ce qui a financé gang? Qui est-ce qui a financé bandi? Qui est-ce qui n'a pas combattu avec bandi? Même yo même là. Même pouvoir politique là. Même acteur politique yo. Même secteur privé corrompu. Même oligarque corrompu. Depuis après assassinat président Jovenel Moïse, rien pas changé. Mais qui est Jovenel Moïse? Qui parcourt Jovenel Moïse? Eh bien, collaborateur li Guichard Doré qui était ancien conseiller spécial président dans palais national, eh bien dans occasion deuxième année commémorative assassinat président Jovenel Moïse, li estime faut que li bay public en détail, li estime faut que li fait lumière sur ensemble de points d'ombre, des séries de points noirs, zones obscures, des séries de bagaille t'a dit sous président Jovenel Moïse qui pas de vérité pour lui. De bagay yo tap di sou Jovenel Moïse ki te menti absolu pou li. Li vin fè lumière. Li vin fè le point sou la vie Jovenel Moïse en tant qu'homme politique, en tant que président de la République, tout combat, toute lutte li tap mené jusqu'à ce que yo assassinel, jusqu'à ce que yo touyèl. Déjà m'ap invité ou partager vidéo. Et déjà moun ki koto la, voisin ki bò la kayou an, pas fait duel avec non s'il pas vle tande parler de Jovenel Moïse, parce que nous connaît même après assassinat président Jovenel Moïse, machine n'a travail, moun yo travail pour continuer sale mémoire, pour continuer finir avec caractère li. Donc ou on seul bagay pour faire, c'est pourquoi abonner à channel là, abonner, activer petit cloche notification et râler petit chaise ou chita confortablement pour tande tout sa Guichard Doré pral di sous président Jovenel Moïse. On nous garde ensemble. L'émission matin a parlé de la vie du président Jovenel Moïse. Donc, peut-être ou pas témoin de sa naissance, mais il y a une autre forme de naissance de l'homme, c'est sa vie à l'université, par exemple. On t'a parlé avec nous dans les coulisses, on dit donc que tu es professeur Lee, et il y en a une question qu'on t'a posée, on a proposé Lee. Comment était-il à l'école, à l'université? C'est lui qui pose des questions sensées, des questions avec beaucoup de tout étudiant. Mais qu'on est allé au-delà de ça, qu'on est déjà. Et parfois, questionner professeur sous ça, le qu'on est. Donc, moi, je crois que c'est comme ça le délire. Je me suis toujours posé des questions. Et d'autant plus que, comme de faire, c'est un cours sociologie rurale. Je me suis intéressé à l'agriculture, vraiment. Il était toujours présent. Parfois, il sortit pour des pères, même juste pour venir dans quoi. Parce que, à l'époque, il était déjà dans les affaires, mais c'est toujours là présent. Toujours, il garde les machines quelque part. Et sous Pakin Université, il est toujours présent. À l'heure, à quoi, et puis après quoi, nous discuter. Et l'aime venir à l'Europe, nous avons toujours une chaîne politique, m'a publié tout le temps. Monsieur l'aime retourner, m'a venu en 2012. Monsieur dit que Doré, voici l'ensemble des textes, où qu'on publie au même là, des textes qu'on écrit sous politique. Donc voilà, après, des grands documents, moi-même, sauver Pierre-Étienne, nous avons écrit, c'était un plan stratégique de sauvetage national. Et monsieur est venu montrer mon document. Donc voilà, sur quelqu'un m'a dit qu'il était sur pas pour moi, personnellement. On était devenus des amis. Et l'aime est venu nous parler en élection. Monsieur m'a dit pour venir conseiller stratégique dans la campagne normalement au niveau de la communication des ballons de coup de main, et puis par la suite l'elle vini président monsieur nommé moi comme conseiller spécial dans le palais national auprès de lui-même. Donc moi pensais que c'était une opportunité également son privilège, parce que c'est bien des milliers haïtiens qui t'es occupé placement, le fait que bien des milliers président était choisi madame pas dit son droit, mais c'était un privilège. Et bien tout on fait tout ça possible également pour m'accompagner dès le début jusqu'à la fin. Donc, vous faites partie de monde qui, plus qu'on est l'homme, en ce sens que on partage les. Je me suis demandé pour que ça émission, ça n'a pas parlé de l'histoire de l'homme. Donc, qu'on ne dise pas qu'on est en train de construire un nouveau candidat, heureusement. Mais qui ça l'étape étudier à l'université? C'était quelle université? Sciences de l'éducation.
Ok. Oui, c'était en sciences de l'éducation. Bon, même si tout le monde a un penchant sur l'agriculture, monsieur m'a dit son bricoleur de la vie. Monsieur connaît un peu la baie technique, sans que le défait Canada tout. Et monsieur un technicien, donc il a parlé aussi des problèmes, ouais, des problèmes techniques. Monsieur n'est pas étranger avec lui. Donc, moi, c'était quelqu'un. Et comme la majorité des Haïtiens qui viennent de l'arrière-pays, qui essaient de créer un chemin pour avoir rapport au prince, donc moi, c'est comme ça que vous considérez. Maintenant, on a continué à parler de sa vie, de son histoire, et vous venez suivre lui, il a dit suivre à côté de lui comme conseiller spécial. Présentez-nous le président qu'il était, l'homme qu'il était, parce que, vous savez, il y a tellement d'intrigues dans un palais, et je me songe, il y a un monde qui font déclaration qui dit que, président est partagé avec lui, qui dit que le palais national, c'est l'enfer, son enfer. Donc, comment est-ce que l'ITIE, tellement qu'il y a intrigue, il n'en parlait pas, c'est peut-être ça qui est. Non, c'est l'espace de pouvoir comme ça, c'est pas un cas spécifiquement haïtien. Soit aller à l'Élysée, c'est à peu près même pareil, et soit aller à la Maison Blanche, c'est même pareil. L'espace de pouvoir, toujours, son espace qui a intrigue, qui a un bail comme ça. Mais Jovenel Moïse, moi, je pense que faut faire un lien historique entre Moïse, et l'ouverture, et Jovenel Moïse, son arrière-grand-père. Ok, ça veut dire. Non, parce que le fil idéologique, c'est ce côté pour peuple, pour des couches les plus faibles, les plus débris. Moi, c'est que monsieur a un héritage historique, il est embrassé. N'oublie pas que Moïse d'ouverture, c'est Nord-Est. Hein? C'est Nord-Est, son liberté, c'est ancien commandant, il faut liberté. Donc, la famille Moïse, dans l'histoire du pays, ils ont toujours mis ils ont chargé. Et je pense que, monsieur. Une sensibilité populaire. Une sensibilité populaire. Et monsieur embrassé comme ça, le poids historique de sa famille. Monsieur embrassé, lui, c'est une expression plus large, arrivé à la présidence. Alors que son grand cousin, ou bien son ses aïeux, Moïse, la famille Moïse, dans l'histoire, avec toute son ouverture, pas au pouvoir, c'était le commandant et de Fort Liberté, qui pensait que dans la dynamique historique de la société athée, il faudrait que les autorités de l'époque aient pris position pour les plus démunis. Donc, arrivé au pouvoir, monsieur allait au-delà pour le bail. Et la femme d'a dit, il dit ça pour le ballon en contenu. Il faut comprendre, ça m'a dit, et la lignée idéologique des journalistes, c'est comme ça que je considère dans l'histoire. Il y en a pas un moment de où, avec peut-être des spécialités, compréhension que nous gagnons en politique, on a parlé de science là. Donc, on connaît qu'il y a des actions qui peuvent être uniquement politiques, c'est-à-dire, mon enfant, de manière théâtrale. Mais il peut ne pas y avoir de cœur, de sensibilité. Est-ce que tu as trouvé un peu de sincérité et de sensibilité dans la démarche de l'homme à travers ses déclarations, mais aussi à travers ses projets, ses visions, etc. Est-ce qu'il y avait d'honnêteté et de sensibilité réelle, sincérité? Ah oui, oui. Le président a toujours dit qu'il faut avoir la conviction pour faire changer les choses. Donc c'était un homme de conviction et en fonction de cette conviction, il pensait que le pays a une situation très difficile pour une grande partie de la population. Faudrait-il que lui ne pas le faire, même genre d'autres qu'on dit, pour retirer dans mes sacs de guerre, mais au moins pour le concert, dans le concert national, faudrait dire que tout le monde vienne placer. Et placer mérité en fonction des qualités, en fonction des compétences, en fonction de ça qu'on a apporté. Donc c'est une nation pour lui-même, la nation haïtienne, ce n'est pas une nation tribale, c'est une nation politique. Puisque c'est une nation politique, il y a un contrat politique qui fait entre le peuple et les dirigeants, soit par les affaires référendum pour nous faire élection, pour nous mettre en nouvelle constitution, soit on a fait élection pour nous élire des élus. Il y a un contrat politique. Puisque c'est une nation politique, il faut dire que chaque citoyen, qu'il soit côté, il y a un droit égal pour participer également, il y a un droit tout pour rejoindre. Ça rejoindre dans la dynamique, dans la construction de la nation. Nous ne pouvons pas demander ou accuser personne sur ce plateau, hein, mais il y a fait un reproche à certains collaborateurs du président, ou fait partie de ceux qui étaient plus proches du président, que le président n'était pas écouté à ce moment-là. C'est-à-dire, s'il demande à X de faire quelque chose, on a dit « Excellence, oui, Excellence, oui, Excellence ». On comprend, alors j'utilise un langage réel. Oui. Mais c'est un « oui » qui est un « 8 » en bon créole. On a dit « Ah, on a dit « oui, c'est 8 », dis-moi. » Comment était cette collaboration avec ses collaborateurs? Était-il écouté, respecté? Moi, monsieur, vous faites discussion à président, personnellement. Oui, ce qui n'enlève pas le respect. Si vous n'êtes pas d'accord, non.
écoutez, on est là dans l'espace des débats de pouvoir, et il y a des témoins qui ont expliqué ça. Moi, j'ai toujours fait des débats. Si je ne suis pas d'accord sur ce bagage, pas parce que le président dit, pour me dire, mais, faut me... écoutez, quand on est là pour conseiller, si je ne suis pas au courant, ok, d'accord, mais si je suis au courant, il faut me dire, moi-même, mais réserve-moi. Bon, en fait, c'est à lui de décider, puisque c'est lui qui a été élu par le peuple, mais moi-même, je ne fais pas de mes réserves. Et si possible, avec des solutions aussi. Parce que quand vous venez venir en chef, il faut toujours arriver à gagner des bails, vous faites. Il ne faut pas venir d'aller vite. Elle a dit, faut que, si vous avez une proposition, ne pas critiquer, mais il faut bailler une proposition comment pour améliorer. Bon, in fine, c'est le chef qui décide. Même pas quoi que le président, nous c'est toujours d'accord pour nous discuter avec ça. Parfois, il connaît avec des idées liées, après, il tourne avec l'idée, laisse des conseillers, il prend l'autre, ou bien d'autres monde. Donc, il n'est pas obligé que ça le dit, il n'est pas expert, c'est pour un homme qui compte tout le bagaille. Bah, je me suis mis dans la position, ça tout. Il connaît une limite. Tout le monde a une limite. Parfois, que sont l'autre monde qui pas même parallèlement de un conseil. Donc, ça arrive parfois. Oui, alors, pour nous tourner sur lui, c'est le président mandé et parfois même exiger une réaction, un suivi qui n'est pas fait. Sur quelques dossiers que ce soit, on n'est pas en train d'accuser, on n'était pas là au premier degré, mais on veut comprendre, c'est-à-dire, même côté intrigue n'a pas les deux l'IA, c'est-à-dire certains hommes qui ne recevaient pas d'ordre de lui, qui recevaient d'ordre de d'autres personnes, etc. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui était écouté? C'est-à-dire, quand il parle, sa parole voulait dire quelque chose. Mais c'est quelqu'un, quand il parle, c'est dans le vent, dans le vide. Non. Au point que, argumenté, parce que les questions paraissent bizarres, à un moment de la durée, il était obligé de tout prendre en main. Est-ce qu'il était écouté? Comment tout prendre en main? De prendre beaucoup de choses en main, c'est lui qui passait des appels, c'est lui qui était sur le terrain parce qu'il croyait ses paroles. Ah, il était dans la micro-gestion. Bon, oui, je fais ça parfois, il dit lui-même, c'est directement voilà. Bon, maintenant, ça, c'est l'administration, ce n'est pas le palais. Parce que le palais n'a pas gagné un samedi, ou bien le conseil du président, il n'a pas gagné un prix sur l'administration. Donc c'est le gouvernement qui gagne un prix sur l'administration. Mais ça arrive parfois, président. Mais écoutez, mais ça tombe pas, quoi, c'était un défaut. Parce que tenez compte comment le pays a été. Et ça dit que qu'on a une administration très lourde, etc. Ou bien si le président est déplacé dans une zone, ils font une promesse. Et puis, c'est fait une petite promesse, peut-être une route, quelque part, 2-3 km route pour déboucher, etc. Ça n'a pas fait. Parfois, il qu'on a appelé. Il dit oui, parfois, il fait ça. Même pas, quoi, c'est parce qu'il n'est pas tendu, etc. Mais ça arrive parfois. Tu sais que, entre le temps politique, le président toujours dit, lui, il a un mandat, l'administration a le temps devant lui. Donc, puisque lui-même, le gros mandat, dans le mandat, par là, il faut le faire tout ce qui est possible dans le temps par là pour le faire. De sorte que, pour, dans l'histoire, que y a retenu qu'il défend bagaille. Parfois, il a passé tout, il n'a pas fait rien tout. Mais lui, il devait marquer le temps, il marquait son temps, marquer sa présidence, il s'était mis au travail. Et même si le pays a, pendant, je sais plus que 2 ans, pays lock, le pays a été presque fermé, des ordres, etc. Mais nous rendons compte que les dégontis ont calmé, il s'était au moins doublé en 4 pour faire quelque chose pour la population. Nous ne parlons pas de projet, parce que c'est ça, cette émission. Le président Jovenel Moïse, sa vie, son histoire, ses projets et ses rêves, sa vision, son combat politique et sa mort. Mais nous avons sous quelques petites déclarations. Il y a le président ou l'ancien président du Sénat, le sénateur Kelly Clédor Bastien, qui disait ce ne sont pas les conseillers du président qui lui donnent des conseils, c'est le président qui conseille, qui donne des conseils à ses conseillers. Comment comprenons-nous telle déclaration d'un homme politique soulevé de calibre, sénateur Kelly Bastien? Bon, lui, il a fait expérience de cabinet, probablement. Il a... Bon, alors, ça gagne. Moi, toujours dis ça. Le conseiller est là pour proposer. Et parfois, il donne des opinions quand on lui demande. Et, ou pas, on conseille sur toute bagaille. Et le président de la République, là, il doit avoir un conseiller, il va même dans le palais. Et généralement, le président a toujours gagné un monde qui vient dans la caillou, qui va au conseil, qui n'est pas au courant. Moi-même, dès le départ, j'étais toujours dit président Jovenel Moïse, il serait mieux d'avoir, ne recevoir aucun monde dans la caillou. Parce que généralement, les dossiers de l'État, si mon nation de l'État l'a bien traité, il faut lui en parler, on n'est pas peur pour lui en parler. Parce que les dossiers de l'État, c'est, écoutez, le palais national, c'est la maison du peuple. Bon, le président n'a pas de temps de me souper ça, moi j'ai plusieurs conseillers qui étaient de demander ça. Le fait qu'il vienne dans le palais, il me dit ça. Le président n'a pas recevoir le monde dans la caillou. Je dis, adore, comment ça, je connais vous qui soyez présents, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas vu dans le palais. Je dis, président, si vous n'avez pas vu dans le palais, ce n'est pas à faire, l'État vient régler. Votre maison, c'est pour vous et votre famille. Bon, à la rigueur, on en Haïti, nous avons une famille nucléaire, nous avons une famille large, un cousin, un capacité, ouais, ouais. Mais depuis que ça fait l'État la vie régler, c'est au palais national. Pourquoi? Parce que ça doit permettre de gagner un archive. Et deuxièmement, là, on a vu dans le palais, depuis le conseiller, moi-même, je fais un cabinet déjà. Pas bon, moi qui t'a vu dans le dossier, pas maintenant, pour ne pas avoir le dossier sale, je viens discuter avec le président. Moi, je vais me connaître.
Ah non, faut me connait ça, je voulais venir discuter la discussion. Et moi-même, pour me préparer, c'est parce que talking point, c'est d'être TP pour président, parce qu'il est devant mon nom. Mais si vous recevez mon nom la carte à ce moment-là, on a la fois président de la République et secrétaire, pas de monde là encore. Et généralement, on a dit même, il vient de n'importe conseil, on ne connaît pas. Donc ça, c'est encore une fois. Je parle tout. Bon, mais évidemment. Ça qui est très important, c'est que, je pense que pour le prochain président qui a venu autour, ça, c'est l'histoire, on ne reçoit pas les gens. Et Gabin Lakaou, le palais national. Et souvent, nous allons parler sur ça. Nous reconstruit le palais national, des autres que vous avez une résidence. Et la présidence, et lieu, et là l'habiter. Depuis, on a vu le monde connaître. Mais comment elle dit, pas venir dans le palais, ou pas, pour ça. Vous venez discuter les affaires de la nation, vous ne pouvez pas nous venir. Ce n'est pas qui a pété le dehors. Et puis, deuxièmement, il y a la loi sur le secret défense. Ce n'est pas parce qu'on vient là, on va nous dire qu'on va dehors. Il y a des secrets qui doivent déclasser, c'est après 50 ans, il y a déclassé, etc. Donc, moi-même, je crois que ce qui est très important, nous devons mettre sa culture là. Le chef de l'État, il doit être pris en charge. Maintenant, faudrait-il que dans la prise en charge là, il n'y a pas gagné des gens. Il a toujours gagné des conseillers. Mais au moins, il fait discussion avec les conseillers officiels et des conseillers de nuit. Parce qu'il ne travaille pas pour lui, il ne reçoit pas pour lui, il reçoit pour la République. On fait le travail de l'État. On revient sur certaines petites déclarations aussi. Par exemple, le président a parlé. Il y a aussi « si reste là, c'est pour le peuple là ». Il y a aussi un président qui se respecte, ne doit pas avoir d'amis. Il y a aussi « Napkik Boine ». Il y a aussi une autre déclaration que le président t'a dit, t'a fait. Donc, j'étais témoin au Palais national lors d'un discours, c'était un 18 mai, pour lui dire que pendant la pandémie, Monsieur Dialogué, là, nous, en pleine crise là, au summum, il dit que pendant que nous-mêmes, m'a demandé de nous dialoguer, nous guettons devant nous, entre-temps, la politique s'exerce, et le pouvoir politique s'exerce. Tirez ça, c'est pour le peuple, là, me reprendre ça. D'après vous-même, comment te comprendre toute déclaration, c'est là, nous ne pas qu'à décortiquer on après l'autre, mais des déclarations fleuves, côté qu'on leur dit encore au Palais national, parce que j'ai suivi plus d'une activité et cérémonie du président, il dit à un certain groupe, à un certain secteur, nous manger, ventre nous plein, nous manger toujours, nous boulimiques. Si nous pensons parce que nous t'accompagnons dans l'élection, nous prenons le premier pays, coupez mes qui t'accompagnons. Bon. Donc, ce sont des discours, quelque part écrits, des pensées articulées. Nous-mêmes, comme conseillers, comment nous comprenons la déclaration de Silayo? Et je vous dis encore, comme conseiller spécial du président, qui sa déclaration ça rappelez-vous, et qui message était caché derrière vous? Bon, normalement, le président de la République n'a pas d'amis. Hein? Et ben, c'est valable pour le président Macron, il valable pour le président Biden. Ça veut dire quoi? Elle dit que ou pas pris en otage par des groupes d'intérêt. Ou à travailler à la lumière de l'intérêt général. C'est ça veut dire. Et ben, c'est son principe républicain. Ce n'est pas parce que vous avez financé la campagne, mais les ministres nous redevables envers vous. Non, du tout pas. Parce que vous avez un citoyen, vous avez un projet national global, ou identifié la donne, vous pouvez un apport. C'est tout citoyen qui a fait ça. Vous pouvez en fonction de quantité de ressources qu'on a, mais parce que vous êtes financier, etc. Mais donc, le président de la République, encore plus, le chef de l'État n'a pas d'amis. Si ça, c'est pour le peuple-là. Le reste, pour le peuple-là, c'est un cri du cœur. Pour montrer que la population, une bonne partie de la population qui est dans la souffrance, pour dire que l'État est au plus haut niveau côté lié pour venir. Alors, avant déclaration, le pouvoir politique s'exerce. Le président dit, go bon nek qui parle à voir à 3h du matin. Et puis, il y a d'accord à voir son point. 5h, 6h, autant des grands journaux du matin, il y a l'autre discours, il y a dit, président, c'est politique qu'a fait. Donc, comment comprendre déclaration? C'est le comportement de l'haïtien, de Mahon. Et donc, il avait assumé la responsabilité. Et ça, il y a un lien historique à ça. Et depuis le marronnage, nous venons le double visage de l'homme politique. Il dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Et il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Donc voilà, donc à ce moment-là, on a une duplicité. Donc, on ne sait pas qui est-ce qu'on a fait. Président, donc, il faut changer cette pratique. Hein, parce que la parole, la culture de la parole, du respect de la parole donnée, donc, moi, c'est qu'ils sont une qualité d'un homme politique. Président, et vive tout ça lui-même. Bah oui, il a vécu tout ça au palais. Je parle avec tout le monde dans le secteur politique là. Je parle avec tout opposant. Ils te font des déclarations concernant. En pile, ils te font ta page, vous et puis, etc. Le président a dit vrai. Bah oui, il a rencontré des gens. Ça n'a pas été comme de tal. Papa, il dit c'est avec Pierre de rencontrer. Mais mon capitaine de qu'on a qui essaie de rencontrer. Donc c'est ce caractère, c'est la duplicité qui vient chez l'homme haïtien. Il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Il a un comportement qui est différent de lui-même au fait. De ça, il a vraiment. Oui. Il a toujours un masque pour le cacher le vrai visage. Donc, moi, je crois qu'il faut nous sortir dans ça. Nous rendons compte depuis plus de 40 ans et ça n'a pas porté fruit pour le pays. Donc, il faut que nous assumions la responsabilité. Non, nous avons toujours une position de bada
d'accord, nous exprimer des accords, non, et tout pour nous connaître des accords, non, et probablement si nous accord, si nous d'accord sur certains, tout pour nous connaître les points d'accord, nous gagnons ensemble, et vous n'allez de l'avant. Entre-temps, le pouvoir politique s'exerce, a dit le président au Palais national. Ben oui, le pouvoir politique, on doit l'exercer, parce que quand on a le pouvoir, il faut l'exercer, mais dans le sens républicain du terme. C'est-à-dire que ce que la loi permet de faire. Donc, sinon, que ça ne sert à rien. Donc, on temps perdu pour la nation. Pendant 5 ans, si vous ne pas faire rien. Le président a parlé, point barre. On dit que le président avait un petit ton. Non, c'est une façon pour ne pas contester la parole de l'État. Ce n'est pas comme si le président, le personnage, mais lui-même, l'État prend une décision. C'est une décision d'État. Partout dans le monde, depuis une décision d'État, prend, il applique elle. Il respecte elle. Donc, puisque c'est lui le chef de l'État, ce n'est pas parce qu'ils sont dictateurs. Moi, il y a un peu de monde qui interprète comme ça. Non, du tout pas. Il y a, au niveau de la durée, il y a une parole d'État. Une parole publique et qui est censée, qui gagne tout, ça me donne les rituels qui permettent de prendre. Donc, il faut respecter une décision qui a été prise en Conseil des ministres, ou bien un texte, un décret, ou bien une loi. Il faut qu'il applique. Et la Constitution fait obligation au président de la République d'assurer l'application des lois. Et pour le veiller que la Constitution n'a pas appliqué. Les décisions de justice, c'est qu'il y aura un homme et puis pour appliquer. L'indépendance de la justice, c'est lui, à tout ça. Ça, c'est sa responsabilité. Donc, une émission pas suffit pour nous voir certaines déclarations du président Jovenel Moïse, mais nous parlons tourner sur les grands projets, les grands chantiers. Par exemple, de la caravane à cette déclaration et que le président a fait, n'a mettez coup en APIA dans 2 ans, coup en 24 sur 24. Nous parlons de différents projets au Palais national, etc. Les routes. L'électricité, au cours de la seconde tranche de la rubrique Le Point. Nous vous rappelons que nous reçus. Oui, et bon, je suis bien content de continuer. Nous te permettons de nous parler de projets, quelques projets, président Jovenel Moïse. Par exemple, il y en a un projet, mon plus connaît, la caravane de changement. Le président était partout à travers le pays, bottes aux pieds, jeans, chemises, et comme une autre forme de campagne, au cours de cette caravane de changement qui était très, 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 très critiquée. Et il y a des gens qui ne disent pas que c'est un budget, pas un projet réel, c'est n'importe quoi. On a dit beaucoup de choses, caravane changement. Bon, caravane changement, c'est une stratégie pour booster l'administration, pour le faire travailler. Pas de COB qui spécifiquement, c'est-à-dire un COB non projeté, les caravanes changement. C'est une stratégie de coordination de l'action des ministères et des services publics pour des cap faire travail optimisé de façon visible pour la population carrément ça y a fait pour tout le monde travailler. Et là, on déjoint tous les ministères qui étaient impliqués là-dedans, ministère de l'Environnement, ministère des Travaux publics, ministère de l'Agriculture, autrement dit, les ministères qui ont un impact direct sur le développement économique et social du pays, y compris d'autres organismes, FAES et CNE, tout ça, tout le monde, c'est de booster pour que faire travail. Donc c'était ça la caravane du changement. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Bon, maintenant, il faut demander, parce qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été achetés dans le cadre de cette stratégie. Des millions. Bon, il faut demander à l'équipe actuelle, ça vous fait avec eux. Et je pense que si le président est là, toujours dit ça, il n'y a pas de problème de gagner dans la zone et les non. Parce que ça t'a évité, non, au moins, parce que monsieur, avec Caravana, des stratégies, Caravana, nous connaissons depuis le début dans le mois de mars, fin mois de mars, début mois d'avril, il faut écurer toute la ravine, tout le côté de gagner de l'eau pour jeter dans la mer, pour de sorte que la pluie vienne, ou bien si il y a un cyclone dans la saison, pour préparer la saison cyclonique. Autrement dit, cette année, la saison cyclonique, c'est parce qu'il n'y a pas préparé, ça fait gagner tout le désastre et du côté de l'Ogan. Donc, moi, je crois que Caravana a fait une série de travaux, parce que c'est une stratégie à impact rapide. Pour que la population ait quelque chose que l'administration est supposée faire, généralement, on connaît. Il y a une lourdeur administrative, on prend un peu le temps pour faire certains travaux. Donc maintenant, avec Caravana, puisque le président lui-même tout le temps soutient, il faut la visiter, il faut le bagage pour le dire à la population, l'administration est toujours le faut le ballon bagage pour le faire. Donc on est logique dans la visibilité de l'action entreprise par le gouvernement. Remobilisation de l'armée, il y a quelqu'un qui dit, pas gain. Vraiment, il y a un projet réel qui était fait sur l'armée, c'était un barrage qui fait son coup de tête. On dit n'importe quoi. On voit que l'armée a là, pas de matériel, pas de budget, pas de armes, pas de ceci. Il y a même des soldats qui crient en leur, nous avons besoin de ci, de ça. En quelques jours, on a été fait à gang dans telle zone, etc. Remobilisation des forces armées d'Haïti. Bon, c'était important. Et c'est des réactions, m'a dit, grave que le pays a connu le fait qu'il ait fait disparaître l'institution militaire. Parce que la Constitution dit qu'il y a deux forces sous pays. Pas qu'il y a une qui est plus importante que l'autre, il y a un complémentaire. Donc maintenant, le président dit même c'est dans l'application de la Constitution même, et justement, ça fait le démobiliser la mer. Puisqu'il estime que c'était très important, et puis toute la mer a un rôle pour jouer. Et par exemple, sous le temps du président Jovenel Moïse, c'est M. Militaire qui a fait.
bon bon travaux que tu as fait dans du côté de la Tibonite, y compris dans la zone nord-est. C'est militaire que tu as fait. Donc, c'est un armée de métier, monsieur le président, mettez sous pied. C'est bon, l'armée dans la jeune de gain déjà. C'est des professionnels qui autour de l'armée, qui ont fait des travaux. Et pour rendre service, comme la constitution dit, l'armée a un rôle de développement, et même si tu as commencé par ça. Bon, malheureusement, nous connaissons comment le pays a président vient jouer une série de problèmes. Pays lock, etc., pendant plus de 2 ans, et puis avec Covid là. Donc, il était désorienté, monsieur, sous question militaire là. Mais nous, aujourd'hui, le fait que le gouvernement a demandé pour une force multinationale robuste pour venir de résoudre des problèmes en Haïti, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a nécessité de faire la main. Et d'autant plus que moi, toujours dit, la culture haïtienne, c'est une culture de type militaire. Si nous sommes des Bantous, on vient de l'Afrique. Tu vois comme pas je me suis estimé ça. Donc la relation non avec l'armée, so, la relation de l'autorité, c'est une relation militaire. Et, bon, ça a inscrit dans nos schémas de réflexion. Donc nous prenons ça. Donc moi-même, moi, je crois que plus que important, il faut que nous ayons une institution militaire, il faut que nous renforcions, il faut que nous renforcions la police, et puis il faut qu'il y ait un service de renseignement avec coordonné par un conseil national de défense pour coordonner l'ensemble des services de sécurité du pays. Annie, annonce Annie fait des gars qui écrasé. Bon, parce qu'il y a un peu de monde qui est complexe avec le renseignement. Mais autre important, il y a ce domaine. Les DNI contrôlés. Depuis souvent, tu as passé par les DNI quand tu as dit où là. Et puis, à la capitale de la République dominicaine, dans les services de présidence, tu connais tel monde sur le territoire. Mais au content, tu es aux États-Unis, tu es d'accord pour contrôler. Mais tu pas d'accord pour contrôler Haïti. Vous représentez nous Annie, c'est-à-dire qui c'est Annie exactement? C'est bon, Agence nationale d'intelligence. Son service central. Vous connaissez la définition, hein? Oui. Mais vous représentez nous. Son service central de renseignement, que le président estime que là, il dit ça non, depuis le Vignan Bajam, il y a un rapport de renseignement. C'est anormal. Oh, des matins, n'importe quel président et n'importe quel pays, tous les matins, on lui donne un rapport pour dire comment est arrivée la République. Mais qui lui donne ce rapport? C'est le service de renseignement qui donne ce rapport. Mmh. Autant de l'armée, et le général ou bien le président qui est dans le palais, que ce soit l'honneur, tous les matins, le haut quartier général, le quartier général vont rapport balayer pour dire, mais tambour qui était passé tel côté, c'est parce que l'armée contrôlait le pays. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, là, matin là, est-ce que la police, le gouvernement, un rapport matin pour dire qui s'est passé? Bah, quoi ça? Parce que bah quoi ça. Donc vous besoin de service ça. Pas pour persécuter le monde. Parce que le service de renseignement est là pour contrôler, pour protéger les droits des citoyens. Mm-hmm. Et pour protéger les entreprises aussi. Parce qu'il y a des déstabilisations qui font autour des entreprises. Donc ce sont des choses qui sont nécessaires. Pas grand pays, pas grand. Pour qui ça en République Dominicaine, il y a des années, nous même nous comptons Annie en Haïti. Si vous nous pensez président Mouri, si Annie en Haïti. Du tout pas. L'Annie tape de temps contrôlé. D'ailleurs, dans le texte Annie, l'idée est supposé qu'il y ait un système automatisé de renseignement sur l'ensemble des pays, y compris les renseignements sur l'immigration. Tout le monde qui rentre. Et vous savez qu'en Haïti, il y a des groupes, nous connaissons que depuis entrer dans le pays, il faut connaître. Pas nécessairement ces présidents qui ont compris nous même venir attaquer, mais pour d'autres, par exemple les Colombiens. Donc il tape de temps qu'on est qui est là pour faire filati sur eux. Courant 24 sur 24 dans 2 ans. C'était un projet du président parce que, comme disaient les soviétiques, pas d'électricité, pas de développement. Donc Jovenel Moïse avait compris que c'était très important. La question énergétique, c'est une question structurelle pour payer, pour résoudre. Et M.C.T., dès l'arrivée, M.C.T. s'est joint pour jouer un accord avec le gouvernement taïwanais de 150 millions de dollars pour défaire tout réseau électrique là. Bon, après, le président a toujours pensé que c'est pas, l'État n'est pas capable de dépenser 250 millions de dollars dans les dossiers électriques pour la acheter courant, pour la distribuer la pète. Mm-hmm. Donc faudrait-il que yo fait réseau. Puisqu'il y a une perte technique de 45% sur le réseau, si nous résoudons le problème réseau, il a dit nous refaisons tout le réseau sur le pays. Donc, les gens qui ont un produit d'électricité, ils ont mis le courant même sur le réseau et puis acheter. Et pour, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'ils ont nommé les directeurs de l'Agence de régulation du secteur énergétique à Nassé pour faire régulation. Parce que tu as gagné plusieurs entreprises qui peuvent mettre sur le réseau. Le réseau appartient à l'État, mais les compagnies privées qui ont vendu l'électricité, ils ont mis sur le réseau. En pile opposition, en pile obstacle, nous songeons, il y a une pile déclaration, question de 12 millions de dollars par mois. Pour l'électricité, les arrestations. C'est anormal pour l'État. Écoutez, le rôle de l'État, ce n'est pas acheter de l'électricité. On peut donner de l'électricité à des groupes vulnérables de la société dans un projet d'accès social à l'électricité, mais l'État n'est pas capable d'acheter courant pour tout le monde dans le pays. Elle ne dit tout pas. Elle a dit que tout le monde a vu de l'État. Non, pas payé suffisamment de pots. L'État doit construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des canaux d'irrigation, etc., pour doper l'économie nationale. Marion. À travers tout le barrage, c'est un barrage qui est majeur en termes de communication qui est faite sous lui. Et au-delà de Marion, est-ce que tu as un autre barrage? Mais parlez-nous un petit peu de barrage Marion. La dernière étape, qui, malheureusement, le gouvernement n'a pas consolidé basé, pas de fini. Barrage Marion, c'est le deuxième barrage qu'on a bien dans le pays après Pélic. Parce que le pays n'a pas jamais gagné barrage, on est du sort. Parce que Jovenel Moïse toujours plein que la maîtrise de l'eau de surface, parce que ça, son problème sérieux, nous n'avons pas jamais pris un effort pour nous faire ça. Alors que chaque année, la pluie a tombé, et puis l'eau revient dans la saison, c'est
sécheresse et puis moun pa gen de l'eau pour boire. Donc pour Ajou Marion t'a parlé, il permet nous irriguer 10 000 hectares de terre, sortir un bon monde dans la pauvreté et puis il t'a bailler un minimum d'électricité dans zone là et puis tout afin à faciliter le développement économique socio-économique de la zone pour le nord-ouest. Moi même récemment dans le nord-ouest, moi c'est un désastre. Un paquet de terre, un paquet plein dans noir là. Bon, j'ai fait un mois et demi dans le nord-est récemment, paquet de terre puis terre pas gen de l'eau. Écoutez, ce n'est pas anormal, on paye, et pas pour Nord essentiellement, le Grand Nord globalement. Il n'y a pas de terrain, même pour la Tibonite, il y a une partie du Massé-Sime, pas de gâteau arrosé. Le président a pensé, ouais, malheureusement, il n'y a pas de gâteau arrivé sur ça, avec le pays de l'eau qui s'est gazé. Il y a une bonne partie dans la Tibonite qui n'est pas irriguée. Tout. Alors, regardez la topographie d'Haïti, c'est un pays qui a une vocation agricole. Alors, regardez l'ensemble des plaines qui sont dans le pays. Donc, moi, je crois que nous avons besoin de maîtriser les autres surfaces, pour nous avoir plus de barrages dans le pays. Par exemple, de Bakonoa, nous avons besoin de maîtriser de l'eau dans la zone ça pour permettre tout le pays de l'eau. C'est toute l'eau qui peut aller dans la zone Nipla, c'est dans la mer pour aller, alors que l'on peut irriguer beaucoup de terres avec une maîtrise de l'eau de surface. Autre projet, constitution, donc réforme constitutionnelle, élection. Donc, c'est deux autres projets phares du président. Présentez-nous le projet ça, mais ça fait que nous sommes arrivés dans le moment de reporter, date, etc., CEP, scandale, etc. Parlez-nous de. Bon, constitution, nous connaissons que grand problème d'architecture institutionnelle au niveau de l'État depuis la mise en œuvre de la constitution 87. Donc, le mode d'organisation de l'État proposé à lire, est antinomique par rapport à la culture d'Haïti. C'est pas que la démocratie, non, mais l'organisation, le schéma qui a été proposé, son schéma qui désorganise l'État, et c'est pourquoi vous êtes tous des autres ça. Donc, manquons un centre d'impulsion de l'action politique. Donc, maintenant, une fois que le président constate ça, d'ailleurs, il n'est pas le premier à le constater. Le président Jovenel constate ça, mais le président Préval, en son temps, qui dit que la Constitution est une source d'instabilité. Parce que la cohérence institutionnelle que nous devons dans la Constitution, il y a un bon article qui contredit l'autre, etc., elle va permettre. Donc, il faut que nous clarifions les compétences, mais permettre au moins le président qui est élu gouverne, parce que ça n'est le premier ministre à Banaculture, non? Souvent, il y a toujours avec des conflits aussi au mode de l'État avec ça. Il faudrait-il qu'il y ait un centre d'impulsion de l'action politique, des décisions politiques, qui est le chef de l'État qui est élu au suffrage universel. J'allais reprendre une déclaration du président Jovenel Moïse, la Constitution rend le pays ingouvernable. Oui, dis bien sûr. Parce que des crises de personnes, des crises. Parce que ça gagne, c'est que vous gagnez pas. Il est difficile pour une majorité, comme je dis, pas j'en ai constitué majorité présidentielle dans le Parlement. Non, un parti qui a une majorité absolue, c'est-à-dire qui sortit des unes. Il est difficile en Haïti. Pour la bonne raison, Jean, structure pays, parti très faible, etc., c'est difficile. Donc, on a toujours deux, trois partis qui gagnent une minorité ou bien une majorité relative, mais il n'y a pas qu'un bon gouvernement pour contre. On est obligé toujours dans la cooptation. Pour un gouvernement. À ce moment-là, on négocie, parfois on négocie contre l'intérêt national. Et ça donne 7 premiers ministres. Bah, oui, plusieurs premiers ministres, même sous Jovenel. Oui. Donc ça égale toujours des conflits, etc. Donc, je pense que, je crois que le gouvernement, y compris beaucoup de gens aussi, malgré ou pas de sous Jovenel, moi, de plus en plus, il a parlé de fonds de nouvelle constitution. Ils reconnaissent que c'était important. Donc au moins, Jovenel a pris l'histoire. Mais ce n'était pas important avec le président Jovenel Moïse. Au moins, Jovenel Moïse a pris l'histoire à témoin. Il a pris l'histoire à témoin sur ce dossier-là. On va revenir, s'il le faut, sur le palais national. Oui. Donc, on dit qu'il n'y a pas de palais. Depuis le 12 janvier 2010, donc les informations font croire que c'est le président Jovenel Moïse qui a initié la reconstruction, le projet de reconstruction du palais national. Oui, et ces premières décisions, la première décision de prendre, en avril 2017, nous nous mettons en comité pour la réflexion, groupe de travail pour la réflexion et la reconstruction du palais national. Et moi-même, il était pour te dossier ça. À l'époque, j'étais content, même toujours depuis bien des années, nous sommes ardents défenseurs et promoteurs de la reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Nous sommes, même à Paris, étant, nous avons article sur ça, penser la nouvelle ville de Port-au-Prince. Donc, le président vini, premier bail, il m'a dit, président, écoutez, une civilisation est marquée dans la pierre. Je dis, non, on ne dit pas là. Je dis, ah non, on doit reconstruire le palais, président. Parce que le palais. Une civilisation est marquée dans la pierre. Dans la pierre. Oui. C'est très important. Parce que le palais a gagné des préoccupations architecturales et esthétiques à valeur culturelle que nous respectons. Et toute population était identifiée avec le palais national. Donc, dès que nous avons une présidence qui passait, qui va reconstruire, mais l'histoire pas reconnaître. Ou en tant que un monde qui passait là, qui l'a diminué sous poids, sous pas vent, sous palais. Effectivement, il me s'est dit, mais ok, d'accord, vous voulez ça, portez dossier ça, débrouillez ou comme vous connaissez dans votre prince, cherchez architecte pour bagaille. Ok, il m'a proposé avec le directeur de cabinet à l'époque, où ils sont là, et puis moi-même, il m'a dit, d'où est-ce que vous
Moi, ça me fait, moi, relais et des trois mondes qui connaissent dans Bala, notamment Keke Belizer et UCLBP, parce qu'entre-temps, il y avait UCLBP qui l'a pour construire Palais, et puis, moi, commencé à identifier des architectes. Nous, on prend les meilleurs des architectes du pays, parmi les meilleurs, parce que je ne dis pas tout, parce que pas parce qu'on bat la donne, parce qu'on bat quand même tout le monde. Et on nous l'a. Ah, ça, on connaît, meilleur pour qu'on est. Non, mais pas contre tout. Alors, meilleur que mon entourage qu'on est, etc. C'est ça, pour la commission, on a besoin pour le patron bagaille politique. Il y avait des gens qui venaient d'horizons divers en termes d'expression politique dans la commission. Il y a des gens qui étaient anciens ministres ou président Préval, ils mettaient la donne, ils ont fait des choses vraiment foutées. Au moins, ne serait-ce que ça, puisque ce premier dossier était confirmé, pour nous recommander qu'il y ait une société sur la question ça. Mm-hmm. Et je pense que c'est peut-être une meilleure idée de participer dans la vie en tant que monde, avec, à côté de ces architectes haïtiens. Des vraiment, experts. Ah oui, donc c'était des experts remarquables. Et si vous avez émission là, vous attendez. Et effectivement, moi, j'ai fait un travail, toute la nation te reconnaît tout. Là, j'ai fait un concours à tout, tout le monde te reconnaît ton travail ça. Donc au moins, sur ce point-là, je pense que c'est un travail qui est utile. Mais vous avez présenté et tu as dit Marquette là. Oui, oui, vous avez présenté là et il y a des travaux techniques qui étaient faits, par exemple, pour faire études géotechniques, etc. Et puis pour des travaux et d'ingénierie, puisque vous avez un plan architectural là qui est accepté. Maintenant, il y a un bon de travail, vous avez cherché des films qui vous construire par là, etc. Entre temps, vous avez pays qui a tapé nous bail là beaucoup, parce que le pays qui a fait bail il y a beaucoup de temps, et deuxièmement, il y a eu Covid. Donc, même quoi que son projet que, bah, qu'on est non, parce que, bah, pas, il dit, bah, gagne qu'a fait, qu'on y a, parce que, vous êtes prudent, parce qu'on doit gagner un bel travail technique qu'a fait à travers du CLB, y compris tout film qu'a travaillé, y compris au Palais, bah, qu'on est. Mais, bah, c'est un projet important. Alors, le Palais National, il fait partie de ensemble de bâtiments publics qui doit reconstruire. Parce que l'État haïtien, depuis 2012, est inscrit dans la logique de la construction d'une cité administrative. Cette cité administrative, il y a les palais des ministères, tous les grands édifices publics, y compris la Cour de cassation, est construite, et le palais, la Cour des comptes, et le palais. Le ministère des Finances, y compris le ministère du Commerce, etc. Il faut construire ensemble des passages pour nous en cité administrative. Mais nous avons dit, président, dans la discussion d'affaires, c'est que si nous avons une cité administrative là, nous n'avons pas qu'à à 3 mètres pour nous jouer un paquet de taudis sous côté. Donc, elle a dit, il faut penser grand le centre-ville de Port-au-Prince. Alors, il y avait une première décision qui a été prise par le président Préval. Le président Préval a déclaré d'utilité publique en périmètre une bonne partie du centre-ville. Mais en 2012, il y a eu une pression faite parce que mon député a demandé pour toucher le corps pour exproprier. Parce que si vous faites déclaration d'utilité publique, il faudrait que vous expropriez. Les propriétaires du centre-ville, parce que c'était tout pas tel état, il y a des magasins, il y a des gens qui en bas ville là, ils ont demandé pour te valer terrain pour l'état dédommager. Je trouve que la docteur m'a donné un paquet de l'argent, mais l'État n'a pas gagné comme suffisamment pour dédommager. Pour plusieurs raisons, l'État n'a pas besoin de tout ça autour pour faire cité administrative. D'où, en 2012, le président de l'époque a rapporté arrêté le président Préval. Et pensant que mon centre-ville n'a pas reconstruit. Mais nous, quelques temps, ça n'a pas fait. Maintenant, le président Jovenel Moïse est arrivé, il fait au moins deux, bah, docteur m'a participé dans deux réunions de fait avec les propriétaires du centre-ville, en association de SOS Centre-ville, y compris avec la Banque Centrale. Qui n'a pas quitté le centre-ville là, parce que la Banque Centrale il fait des investissements au centre-ville, est très important. Donc, nous pensons que c'est très important. Alors, moi-même, ça me dit, c'est que dans le schéma de reconstruction des centres-villes pour Prince, il y a des mesures d'ordre politique et d'ordre technique qu'il faut prendre. Il y a une première mesure parce que nous avons une insuffisance juridique qui gagne avec déclaration d'utilité publique là. Il ne permet pas, parce que si l'État exproprie, il faut l'État bailler au corps, l'État n'a pas cet argent. Pour le tout ça pour le tout le monde parce que nous ne parlons pas en bas la ville là nous c'est une famille qui ont titre là nous c'est dit d'où était ça vaut 5 millions de dollars en bas la ville combien espace ça t'es bon c'est prix pâle mais ça déjà non, il alors, est fait parce que pour l'histoire et pour la vérité si on demande 5 millions de dollars pour un terre non mais tu as un cas sur lui mais qui ça t'es ça vaut quand tu t'es dit ça que t'es gagné dans la discussion là bah il a fait qu'on y a là déjà il dit en plus qui t'es sur évalué terrain déjà il râle dans tiroir Lyon texte loi qui dit l'ordre de l'état faut que c'est pour payer d'abord le pile monde rendu compte caille par terre par assis mais ta bail l'état même l'état de dommage l'état de bail en pile monde peut être coquin donc maintenant moi pense faut aller au-delà. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une innovation juridique. Il faut déclarer bah, centre-ville un statut particulier. Il y a plusieurs villes qui font, par exemple, Kinson, le nouveau Kinson. On doit donner un statut particulier. Il y a d'autres villes en Afrique pour construire un bon statut particulier. Ça, statut particulier à permettre de faire. Statut particulier pour bah, centre-ville de Port-au-Prince, c'est une innovation juridique dans notre système. Ça n'existe pas encore. Elle a dit que l'État ne peut pas l'exproprier. Parce que l'État n'a pas besoin de terme, l'État n'a pas gagné compte pour l'exproprier personne. Mais sauf que l'État, le fait le bail, on bail centre-ville en statut particulier, il dit que les gens qui ont centre-ville,
Deuxièmement, nous ne pas le construire. Maintenant, l'État tout, statut particulier permet de faire des mutations des titres de propriété. Parce que si l'État lui-même lui fait une déclaration d'utilité publique, il n'y a pas qu'à prendre un terme pendant mon monde pour le bas monde, l'obliger à faire un travail public là-dedans. Oh, l'État n'a pas besoin de tout ça. Donc maintenant, avec statut particulier, c'est une loi, une grande loi qui doit être adoptée par le nouveau Parlement. Exiger en forme d'architecture, par exemple. Non, oui, non, maintenant, deuxième, l'autre décision pour prendre, faudrait-il que l'État fixe à travers un arrêté quel schéma d'aménagement et nous prend pour centre-ville de Port-au-Prince. Parce que tu as au moins gain trois déjà. Tu as le plan Prince-Charles, tu as le plan de mairie Port-au-Prince, et puis d'après ça, je comprends, il y a du ministère planification, document, un schéma d'aménagement. Eh bien, ça doit être rendu public à travers un arrêté qui officialisait le schéma directeur pour le centre-ville de Port-au-Prince et pour nous connaître l'avancée. Maintenant, l'autre bail qui doit être fait, il faut dire que l'État prend les dispositions pour nous gagner une agence nationale de la reconstruction. Parce que ça, c'est très important. Toute discussion, ça, on est fait, on n'a pas l'air, on te dit président. ANC, on l'appelle ANC. Oui, l'Agence nationale. ANR. L'Agence nationale de la reconstruction, ça t'a permis, non, parce qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a un déficit globalement. Il t'a pas le permettre, il faut qu'il soit pas au président dans premier temps, mais c'est l'ensemble du pays. Ça nous a proposé, c'est qu'on devrait fusionner, on ne partir de rien. Il y a des embryons d'administration qui commencent à faire travail, par exemple, SIAD, UCLBP, tout de suite, on a regroupé au nom l'Agence nationale de reconstruction qui t'a permis un grand schéma de cohérence territoriale pour une vision globale sur le territoire qui t'a décliné en des plans locaux d'urbanisme pour tout respect. Il y a dans chaque commune, comment tu as construit pour pays. Maintenant, on a fait un pilotage stratégique au plus haut niveau de l'État à travers ce schéma d'aménagement de cohérence territoriale. Bon, maintenant, ça, c'est très important pour nous avancer. Maintenant, une fois qu'on fait ça, nous avons l'agence taille, et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait les moyens financiers. Donc, un fonds de reconstruction qu'il faut mettre en place. On pose quelques questions directes sur le palais. Hein? D'abord, le palais a coûté combien pour la reconstruction? Bon, la valeur actualisée du palais, nous l'avons fait en 2017, était 60 millions de dollars. La valeur actualisée, c'est-à-dire, prix de consulat, avec toute nos manières, on a calculé que c'était 60 millions de dollars. Bon, maintenant, on n'a pas de quoi arrêter ce prix-là, mais nous pensons que la valeur actualisée, c'était 60 millions de dollars. Qui t'a bien qui ça, c'est-à-dire bon, tu as bien des bâtiments, le bâtiment. Alors, mon Dieu, toujours dit palais écrasé. Nous, dans le arrêté, on a dit le bâtiment historique du palais, parce qu'un palais constitué d'un ensemble de complexes. Il y a des complexes, on ne parle pas casé. On voit côté policier où il y a été, et puis il y a d'autres qui ont reconstruit tout sous président Matéli. Donc maintenant, c'est le bâtiment historique. Si il fait débat, tout le monde, soit nous qu'on voit, tout le monde. Ça nous a parlé le bâtiment maire. Là, le bâtiment maire. Le bâtiment historique. Oui, oui. C'est le bâtiment historique, et c'est sûr que là, on a arrêté tout. Les autres ont été démolis par le sous-président Matéli, pour arrêter, parce que c'était toute une discussion au cabinet du président. Est-ce qu'un cap dit, c'est le palais écrasé alors que le président là, et le bâtiment historique. En tout cas, pour le grand public, c'est le palais. Oui, 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 mais c'est le bâtiment historique. Et c'est pourquoi que n'importe intervention ou affaire sous palais, on est obligé de chercher ISPAN, parce que c'est un bâtiment à valeur historique et culturelle. Donc patrimonial. ISPAN, vous dit, patrimonial. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne tout ça en compte. Et donc, combien de temps ça t'a duré pour parler à te construire? Et dans la première prévision, tu pensé que ça aurait été fait 3-4 ans. Moi, un an, tu as toutes les ressources qui sont disponibles. Moi, un an que. Pas de pays lock. Pas de pays lock. Moi, un an aussi, un film d'architecture là, lui, il travaillé, mais la compagnie d'ingénierie qui n'a pas le conçu par les alités, fait tous les travaux techniques, etc. Après, une fois que nous avons tout ça, tu as pas d'autre partie de 3-4 ans. On va finir l'émission. Et Guichard Doré, récemment, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, où tu es invité, et on bande l'autre. Ancien collaborateur, t'es invité tout. Nous voulons parler de l'ancien Premier ministre Joseph Jout, nous voulons parler de l'ancien ministre des Travaux publics, Transports et Communications, José Snader, et des opposants et à président Jovenel Moïse, t'es invité tout. Mais au même comment on vit l'invitation ça et comment comprendre l'évolution de l'enquête là. Il y a une question à deux volets certainement. Bon, moi je crois que c'était important, et jugement de l'élevé tant de moins. Moi je crois qu'en tant que républicain, en tant que monde qui est président depuis des années, je pense que c'est ton devoir pour me répondre. Et parce que je crois dans la manifestation de la vérité, la justice, et l'idouerne dans le cas d'un président de la République, un chef de l'État qui a été assassiné dans conditions humiliantes. Donc moi c'était très important que le juge l'a fait travailler et il continue à entendre le monde, il a fait acte d'instruction. Mais ça ne souhaite pas dossier ça, comme dossier a gagné deux côtés la traité. La traité aux États-Unis, la traité en Haïti, nous avons souhaité qu'il y ait des échanges, ça me donne les entraides judiciaires entre les deux juridictions, de sorte que s'il y a des dossiers complémentaires, pour, au moins pour la vérité, toute la vérité qu'a fait ce dossier ça. Non seulement pour bailler justice à la famille du président Jovenel Moïse, mais il faut réhabiliter la fonction présidentielle en Haïti. Donc c'est parce que, comme je dis dans la radio là, le président a deux corps, le corps privé, qui a
appartient à sa famille, mais il y a l'école publique qui appartient à la nation. Et c'est pourquoi qu'on rend compte, jusqu'à présent, il y a, et tout dans toute administration, il y a beaucoup de gens qui ont retiré photo président Jovenel Moïse parce qu'il devrait y avoir la continuité. Donc le président qui doit être investi au palais national, qui sorti de l'élection, il y a beaucoup de lits, donc c'est pourquoi photo président toujours là. Mm-hmm. Donc c'est la continuité. Donc le corps national, c'est le corps populaire, c'est le corps public. Donc ça, il faut que nous pensions que ça, tout l'été dégradé. Il était dégradé dans l'événement 6-7 juillet. Il faut que je vienne lumière. Jusqu'au pays Locke. Comment? Jusqu'au pays Locke. Jusqu'au pays. Donc le corps du président de la République. Alors on va vous l'histoire. Si par exemple, on cortège président Vini, je me suis dit que quand on a plainte, on cortège président, tu as frappé une motocyclette, tu comme ça. Tu sais? D'après les normes et les principes, quand on cortège, c'est pourquoi que bien content en circulation prend décision tout pour faire ces mon utiliser cortège et géofa tout le temps. De vous de cortège, c'est un cortège d'autorité ou même faut mettre à côté. Donc voir que vous mettez en position pour cortège président à frapper. Donc c'est extrêmement grave. Donc maintenant vous supposez laisser espace là pour aller. Donc c'est le corps, c'est le corps de l'État. C'est-à-dire que tu dois arrêter un monde qui fait obstruction à ça. Oui, normal, on doit prendre contravention. On doit prendre contravention. Ou deux points d'intervention. Vous avez droit à ça. Vous avez droit pour agresser physiquement le président. Il va soit assassiné. Vous voyez, Moïse, non, oui. Cortège, si vous avez un cortège à venir, il faut mettre quoi à l'écran. Il faut courir. Il y a des journalistes alliés qui ont demandé entraide judiciaire, non seulement entraide judiciaire, mais il y a un tribunal spécial international parce qu'il y a plusieurs autres pays, oui. Des nationaux, des ressortissants de plusieurs autres pays qui t'a impliqué dans le crime ça. Comment comprendre des demandes? Non, ça, c'est des demandes que je suis le premier monde qui t'a exprimé. Je pense que comme c'est un crime qui gagne plusieurs pays, on a dit son crime transnational. Et bon, je ne connais pas si juge américain ou bien juge haïtien après les autres mondes. Mais au cas où il n'y a pas qu'à faire libre, parce que jusqu'à présent, cette proposition reste et demain importante. Le président a fait une déclaration, il dit qu'il y a un bagage qui a parlé son sujet, un dossier. Certainement, ou même, on va prendre un dossier ça. Et puis, il y a un monde qui était devant lui qui a dit, président, si on tient dans le dossier ça, il y aura mort d'homme. En tant que président, non, non, sur YouTube, dans une déclaration d'affaires, comme j'étais toujours à la fin de ces jours, j'étais toujours parlé à la population à travers live sur Facebook, il était dit, on va comme ça. Même pas contre qui dossier spécifiquement, on t'a parlé. On va te demander ça, malheureusement. Qui ça a fait un président qui est arrivé jusqu'au assassinat dans Chamni. C'est-à-dire, là je parle à l'intellectuel que vous êtes, l'académique que vous êtes, mais aussi l'homme politique pratique. Quel dossier, quelle décision, quelle action, quel ennemi le président peut-il avoir pour dériver jusqu'au assassinat? Ça, encore une fois, c'est à la justice d'éclaircir ces dossiers. Mais sauf que le président a des dossiers qui sont extrêmement importants à traiter. Et toutes les questions de l'électricité, et les questions de des routes, etc. Il parlait d'eux, d'ailleurs, tout sur YouTube. Le président a toujours parlé des questions de pétrole, etc. Il était que c'est comme ça. Il a parlé d'eux. Il a parlé de technologie. Des technologies, tout ça, l'ensemble des dossiers. Maintenant, il revient à la justice de voir l'ensemble des dossiers. Est-ce que c'est l'ensemble des dossiers que le président a traité qui a eu assassinat ou bien c'est d'autres causes? Il y a une question de liste aussi. Bon, c'est l'air après assassinat, je m'entendais ça, je m'attends au courant ça, même personnellement. Vous allez commémorer les 2 ans de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, il y a une activité privée à faire, il a annoncé ça. Alors nous parlons du fils aîné du président. Et les journalistes, eux aussi, ont également des activités qu'ils ont organisées parallèlement dans le Nord, à Port-au-Prince, etc. Nous retournons sur ça pour que l'auditoire métropolitain puisse comprendre. Bon, écoutez, moi je crois que c'est toujours dans le cadre perspective pour prendre justice à président et pour vous battre justice. Donc on action de visibilité. Et également. Et politique. Bon, si vous voulez, parce que depuis qu'il y a un monde qui réunit. Et il y a des gens qui font pas là-bas. Puis, en fait, il y a des gens politiques pour la prise du pouvoir, mais ils sont politiques liés quand même. Donc, puisque il y a des échanges de vues et d'opinions. Donc, maintenant, il y a, je connais sous Port-au-Prince, c'est le ministre Nader qui a des activités qu'il a fait, mais dans le Nord, il y a Nord et Nord-Est. Il y a des activités, par exemple, au Cap-Haïtien, il y a une messe de requiem pour le président Jovenel Moïse, ensuite, il y a une marche. Bon, c'est ça, Mgadou, pour le présent moment. Et puis, dans le nord-ouest, tout, dans le nord-est, ça a bien des activités. Et pour marquer le deuxième anniversaire, assassinat du président Jovenel Moïse. En tout cas, un petit mot pour nous finir, Guichard Doré. Alors, l'émission, ça, nous fait lire sur une tranche de 5-7. Okay. Donc, pour des raisons bien spécifiques. Donc, 5 juillet, c'est dernière décision politique phare, connue, en tout cas publique, que le président y prend.
Donc, est-ce que je peux parler de nomination, désignation, en tout cas, l'annonce, donc l'information et faisant état de la nomination, désignation du docteur Ariel Henry comme Premier ministre. Et puis, l'autre date, c'est le 7 juillet, qui pourra marquer aussi le deuxième anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, émission, ça fait dans le cadre de ça. Nous devons faire remise en contexte ou mise en contexte ça pour l'auditoire là. Un dernier mot pour nous finir, et, professeur, docteur Guichard Doré. Bon, ça nous a dit, c'est que nous souhaitons que gagner des dossiers présidents travaillent sur eux pour l'intérêt de la population. Malheureusement, nous rendons compte que, par exemple, Barrage Marion, qui était qui va faire la centrale de Carrefour, qui t'a permis de gagner courant dans la zone métropolitaine, non, qui est censé finir, parce que le président n'a pas inauguré quelques jours et puis l'assassiné avant. Et donc, nous gagnons une série de chantiers importants pour le pays, malheureusement, qui campait. Et là, je profite tout pour nous envoyer un message avec la population de Ouganda qui subit gravement des dommages et suite à la puissance, la pluie diluvienne qui envahi toute ville-là. Donc, moi, si Jovenel Moïse, malheureusement, ça va être fait. Parce que tout le temps, président Jovenel Moïse, depuis que nous avons fait un cyclone Mathieu, pas jamais une ville dans le pays qui inondé. Parce que le président te prend ça comme un objectif. Depuis qu'il arrive dans la fin mois de mars, il s'est mobilisé tous les équipements à travers le ministère des Travaux publics, bien sûr, pour curer les ravines et tout côté pour que gagne de l'eau qui est inondé. Donc malheureusement, nous restons passés. Donc il y a une discontinuité dans la politique du président. C'est ça qui a causé le problème de l'organe. Merci beaucoup, professeur Guichard Doré, de votre disponibilité. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Wow.